Une polémique relayée par des groupes d'extrême droite était née ces derniers jours dans l'île sur les réseaux sociaux autour de l'activité de l'association SOS Méditerranée. Malgré cela, il y avait du monde hier soir devant le cinéma Le Régent qui avait décidé de maintenir la projection du documentaire Mothership tourné à bord d'un navire qui permet de venir en aide aux migrants. Avant cette projection, de légers incidents se sont produits, mais pas de quoi contrarier la diffusion du film. On y revient avec Pierrick Nanigne et Christian Julian. Il est 18h30 hier soir, lorsque la tension monte d'un cran. Les forces de gendarmerie et de police, nombreuses, s'interposent. D'un côté, une quinzaine de militants d'extrême droite, dont une poignée très remontée. Et de l'autre, des élus nationalistes de premier plan à l'image du maire de la ville, des militants de gauche, des acteurs culturels aussi. Au total, près de 300 personnes venues pour la majeure partie assister à la diffusion du documentaire. Un film, Mothership, qualifié de propagande par les militants d'extrême droite présents. On a bien compris le message des SOS Méditerranée, c'est-à-dire en fait que la Corse devient un déversoir, et je pèse mes mots, un déversoir de migrants. Et ça, c'était inacceptable. Alors il ne s'agissait pas, encore une fois, comme on l'a dit, de bloquer le régent. C'est pas ça, c'était de faire des interventions. Je le regrette de le dire, mais je suis obligé de le dire, que ce soit le maire de Bastia ou le vice-président de l'Assemblée de Corse qui était ici, qui n'ont pas joué l'apaisement et qui ont laissé, laisser déborder volontairement ou involontairement, je n'en sais rien. On ne changera rien à notre détermination de solidarité. Il s'agit quoi aujourd'hui de faire croire qu'on va accueillir des milliers de migrants alors qu'il s'agit juste de sauver des gens qui sont en péril. Ça, on ne nous empêchera pas d'aller sauver des gens, on ne nous empêchera pas aujourd'hui de porter secours à des personnes qui sont dans le besoin. De là à dire qu'on va accueillir des milliers de personnes, je pense que c'est leur fonds de commerce, on leur laisse la responsabilité de ces propos. Malgré les incidents, la diffusion du documentaire débutera bien à l'heure prévue. La salle est pleine pour ce film qui met en lumière l'action de l'association SOS Méditerranée. À bord de l'un de ses bateaux, l'Océan Viking, elle vient en aide et porte secours aux migrants en mer. Applaudi, le documentaire suscitera l'adhésion chez certains participants. Comment on fait pour être bénévole dans notre association ? Un film marquant à faire voyager au-delà des frontières pour les personnes présentes. Il faudrait que les gens qui essayent de s'opposer à la diffusion de films pareils, il faudrait qu'ils soient quelques minutes seulement en mer avec leurs femmes et leurs enfants, dans les conditions terribles qu'on a pu voir à l'écran. Donc il est important pour nous de dire que c'est une association essentielle. On est plein d'admiration quand on voit les gens à bord, le travail qui est réalisé. Le film méritait vraiment cette rencontre et Sophie Beau a expliqué les choses avec simplicité et elle a démonté toutes les idées fausses finalement. Ce tumulte n'aura pas empêché et aura peut-être même renforcé l'objectif de la venue de SOS Méditerranée, celui de structurer ses rangs en Corse. Une mobilisation qui interroge aussi sur la capacité à avoir des échanges sereins autour de ces sujets.